Merhaba la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble 3 exercices pour être plus technique au foot. Alors si toi aussi tu gagnes tes face à face, maîtriser ton jeu et être le joueur qui sort du lot, cette vidéo est faite pour toi. Pour les 3 exercices, je me suis inspiré de 3 joueurs, Messi, Ronaldo et Neymar. Donc si tu veux t'entraîner comme un pro et dribbler efficacement, applique bien cette séance et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Allez, on passe aux 3 exercices, c'est parti. On commence par le premier exercice inspiré du style de jeu de Messi. On sait tous que Messi est un joueur qui joue sur les accélérations et les arrêts brusques. Tu commences par une conduite de balle jusqu'au premier plot. Arrivé au niveau du plot, tu arrêtes brusquement la balle avec l'extérieur du pied et donc bien évidemment l'intérieur du pied pour les gauchers. Ensuite, tu effectues donc encore une conduite de balle vers le plot numéro 2 où tu arrêtes la balle, mais cette fois-ci de l'intérieur du pied, donc bien évidemment de l'extérieur du pied pour les gauchers. Et tu termines donc par une accélération vers le plot numéro 3 que tu contournes et tu termines par une course jusqu'au plot numéro 4. Alors le premier conseil pour ce premier exercice, c'est lors de tes phases d'accélération, et c'est vraiment de garder la balle le plus proche de ton pied. Donc n'hésite pas à aller doucement pour vraiment maîtriser ta conduite de balle. Vous remarquerez que lorsque je conduis la balle, je prends contact avec la balle à chaque pas. Enfin j'essaie, hein, je ne sais pas Lionel Messi, mais j'essaye de toucher au maximum la balle avec donc bien évidemment l'extérieur du pied. Messi maîtrise à la perfection le fait de dribbler à haute vitesse. C'est vraiment cet aspect-là qu'on essaye de reproduire avec ce premier exercice que je viens de vous partager. Et l'exemple parfait, c'est durant la Copa del Rey en 2015, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça. Vraiment, il y a une action où vraiment il applique les accélérations, les arrêts brusques, les changements de direction. Normalement, je vais mettre la vidéo si j'ai pas de soucis de copyright. Sinon, je mets le lien de la vidéo en description. You know how this shit get. You know how this shit could get. Little nigga tough, he ain't even got a gun yet. Real nigga salute, you know I got. Alors là, je me trouve actuellement dans les cages. Qui dit cage dit. Allez, je vous laisse 10 secondes. Dites dans l'espace commentaire, allez. Je me suis inspiré des cages joueurs. Merci bien. Allez, vous avez trouvé? Et de CR7, eh oui, monsieur. Merci, merci. Ouais, merci. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Ouais, je me suis inspiré donc du style de jeu de monsieur CR7. C'est vraiment un jeu qui est axé sur la vitesse et la réactivité pure. Tu vois, pure. On commence par se positionner dans le carré de dos et sur la pointe des pieds en restant dynamique. Dès que tu le sens, tu te retournes le plus rapidement possible et accélères jusqu'au ballon pour la récupérer et te diriger vers une porte, soit de droite, soit de gauche. Arrivé au niveau d'une porte, tu contournes les plots en formant le chiffre 8. Donc tu fais pareil du côté droit et pareil du côté gauche. Dès que tu termines avec ces deux portes, tu te diriges vers la dernière porte qui est en face du but. Donc tu passes entre les deux plots. Et pour finir, tu te diriges vers le carré au niveau du point de pénalty et tu termines par une frappe. Avec cet exercice, on aborde 3 points. L'accélération sans ballon, la conduite de balle et pour finir, la finition devant le but. C'est vraiment un exercice complet qui permettra donc d'augmenter et d'améliorer ta technique.
Dernier petit conseil, lors de la finition, essaie vraiment de viser les extrémités. Sois vraiment précis dans tes frappes. Et donc au fur et à mesure, voilà, t'as tout compris. On veut de l'impact, de la puissance, pour que le gardien ne puisse pas avoir la balle. Alors on garde le Brésilien pour la fin, hein. Monsieur Neymar, cet exercice, je me suis vraiment inspiré de son style de jeu qui est axé sur la maîtrise, que ce soit en l'air, au sol et aussi avec sa semelle. Et là, tu vois quoi, moi j'arrive pas, c'est pas assez fluide au niveau de la cheville, mais quand lui il le bouge là, comme ça, bon, vous allez rigoler dans les commentaires, mais voilà, il le fait. Au départ, tu vas devoir jongler jusqu'au second plot. Arrivé au niveau du second plot, tu effectues un contrôle orienté en direction du troisième plot. Et arrivé donc au troisième plot, tu bloques la balle et tu effectues une conduite de balle en arrière et avec la semelle. Dès que tu termines la conduite de balle avec la semelle, tu conduis la balle, voilà, tu conduis encore la balle, jusqu'au troisième plot, tu la contournes, tu te diriges vers la porte où tu passes entre les deux plots. Ensuite, tu te diriges vers le plot numéro 4 que tu contournes encore, et pour finir tu te diriges vers le petit carré où tu bloques la balle. Mon conseil pour ce dernier exercice, c'est d'abord lorsque tu jongles, essaye vraiment d'alterner pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et vraiment c'est un exercice comme celui de CR7 que je vous ai montré dans le deuxième exercice, complet. Pourquoi ? On travaille la maîtrise du jeu en l'air à travers les jongles. Ensuite, dès qu'on termine les jongles, on travaille quoi? On travaille les contrôles orientés. Tac, tu vois. Contrôle orienté pour se diriger vers le sens du jeu. Donc, en l'occurrence ici, vers le plot suivant. Ensuite, on travaille la maîtrise, la conduite de balle avec semelle. Pour les trois exercices, je te conseille de faire 5 à 10 répétitions, un temps de récupération de 30 secondes entre chaque répétition bien entendu, mais adapte ces deux points selon ton niveau. Le plus important, c'est de chercher la qualité et non la quantité. C'est une phrase de Monsieur CR7, hein. Je pense que vous la connaissez tous. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo qui j'espère vous aura plu. Avec les trois exercices que je vous ai partagés aujourd'hui, vous allez avoir les armes nécessaires pour dribbler et maîtriser votre jeu durant vos matchs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, vous êtes de quelle team? La team Neymar, Puma, hein, nouvelle Puma, de Monsieur CR7 Mercurial, ou bien de Monsieur Messi, les Nemesis, hein, Nemesis Adidas. Dites-moi dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous voulez voir l'arrière-plan des tournages, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Hein. Je poste actuellement des bons contenus, je trouve. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, qui va s'afficher juste ici. Et on se dit à la prochaine. Et ensemble, éveillons le potentiel que c'est moi et nous. Ciao la famille. J'ai oublié un point très important. C'est d'activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Très important. Active la cloche. Et bien entendu, abonne-toi. Hein. Allez, ciao la famille.